Maintenant, les enfants, vous allez prendre le livre Cahier d'activité, page 60. Je répète, le livre Cahier d'activité, page 60. Premier exercice. Colle les étiquettes dans l'ordre pour former le titre. Donc, pour former le titre, il faut prendre les autocollants qui se trouvent au milieu du livre. Donc, vous allez prendre les autocollants et vous allez le coller pour former le titre de l'histoire. Les gardiens de Mogador. D'accord? Donc, deuxième exercice. Écoute ce que dit ton enseignant. Écoute ce que dit ton enseignant. Entoure l'image qui convient. Donc, moi, je vais vous lire les mots qui se trouvent ici. Et vous allez entourer ce que vous entendez. Donc, la digue. La digue. Où se trouve la digue? Est-ce que c'est ça la digue? Ou c'est ça? Ou plutôt ça? Ça, c'est quoi? Ça, c'est la mer. Ou sinon, une plage. Ça, c'est une plage. Ça, c'est... Bien sûr, ça, c'est la digue. Ça, c'est un jardin. Et ça, c'est une poubelle. Donc, où se trouve la digue? Bien sûr, elle se trouve ici. Donc, j'entoure. Le géogo est goé, L-A-N-D, le goéland. Donc, où se trouve le goéland? Regardez avec moi la première image. C'est quoi? C'est un jardin. La deuxième, c'est une poubelle. La troisième, c'est un goéland. Bien sûr, il est là le goéland. Donc, j'entoure. Ici, ils nous disent là, L A la, P O pou, B E 2 L E, poubelle. La poubelle. Ça, c'est quoi les enfants? Ça, c'est la digue. Ça, c'est la plage. Et ça, c'est la poubelle. Très bien, donc j'entoure la poubelle. Et ça, c'est le goéland. Alors, troisième exercice, colorie les travailleurs. Raconte ce qu'ils font. Donc, regardez avec moi. Les personnes qui sont ici, c'est des travailleurs. Donc, on va commencer d'abord par lire les mots. Le, ba, B-A-B-A, L-A-L-A-I-E-U-R, le balayeur. Je répète, le balayeur. Qu'est-ce que ça veut dire le balayeur? Le balayeur, les enfants, est une personne qui nettoie les lieux publics. Donc, comme les rues, les jardins, les parcs. Et regardez, qu'est-ce qu'il a à la main? Il a un balai. Donc, c'est un balayeur. Il est en train de balayer. Regardez, qu'est-ce qu'il est en train de balayer? Il est en train de balayer les ordures. Donc, c'est un travailleur. Un travailleur, c'est un balayeur. Donc, je vais le colorier. Moi, j'ai entouré, mais vous allez colorier. D'accord? C'est quoi ça, les enfants? Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Ça, c'est un camion à ordures. C'est un camion à ordures. Ou sinon, camion poubelle. Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le camion à poubelle? Qu'est-ce qu'il y a écrit sur le camion à ordures? Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il y a écrit MOMOGAKDOR. Dor, Mogador. C'est, regardez, c'est un camion à ordures de la ville de Mogador. De la ville de Mogador. On va dire le mot qui est juste en bas. LESLE et bouilleur, les ébouilleurs. Qu'est-ce que ça veut dire les ébouilleurs? Un ébouilleur, mes enfants, c'est un agent de propreté urbaine de la ville. Urbaine, c'est de la ville. Par exemple, ici, il y a Mogador, de la ville de Mogador. Donc, c'est un agent de propreté urbaine qui collecte. Collecte, ça veut dire qui ramasse
les ordures, qui ramasse les ordures ménagères. D'accord? Qui ramasse les ordures des maisons. Donc, regardez avec moi. Ça, c'est un éboueur. Et ça, c'est la personne qui conduit le camion à ordures. Donc, c'est des travailleurs. Donc, moi, je vais les entourer et vous allez les colorier, bien sûr. Donc, je vous laisse terminer la page et je vous dis à toutes.